J'aurais jamais imaginé, il y a 20 ans, faire un événement comme celui-ci. 20 ans du Rallye des Princesses, joyeux anniversaire! Happy birthday, Rallye des Princesses! Joyeux anniversaire! Compétition, à fond, concentration, à fond. Oh, c'est clair. On prend notre pied. It's been a while since I've been in a manual car. I've never been in a vintage car, but I'm looking forward to the new experience and the competition. Bon, on aimerait quand même monter sur le podium. Ouais, monter sur le podium, on aimerait gagner une étape. Hein. Au moins une. Au moins une. Hein. Bah, on est là pour gagner, non? Et qu'on entend le bruit du moteur et qu'il ronronne parfaitement. Yes! C'est parti pour la journée. Plus rien peut nous arrêter. Ah, stop, vous êtes arrêté. Il y a un truc qui va pas, Caro. Fume de partout. Stop, arrête. Attends. Le moteur. Vas-y. Il n'y a pas la batterie. Oui. Je voulais de l'action, tu l'as eu là. Bon, si ça, ça porte bonheur, qu'on me transforme en Sébastien Loeb ou Amélie. Vas-y, coupe-la, les pommes. Allez, on a 7 secondes pour ça. Allez, go, on va récupérer. On n'a que moins de temps. Allez, go. Laetitia Evelyne dans la 64. Et si Evelyne, là on aura la preuve, lève les yeux de son roadbook, un verre de rosé à chaque fois qu'elle aura levé les yeux. À chaque erreur. Elle va être bourrée. Elle va être bourrée à la fin de la journée. Je pense que les gens, ils pensent qu'on se balade, qu'on regarde les paysages et tout. On n'a pas le temps. On n'a rien vu. On n'a pas le temps. Bah, en fait, c'est super sportif. Super sportif. Et oui, c'est très difficile quand même, surtout pour la première fois. C'est arrivé au bout, en vie, à l'heure, sans s'être engueulé et avec la bonne humeur. C'est intense, très intense. Oui, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est plus difficile que le verger et compète. Il faut vraiment être taré pour faire ce genre de choses. Et pourquoi le rallye des princesses? Bah parce qu'on est des princesses. Ben oui, c'est marqué. On est des vraies princesses. Allô, allô. Non, un homme ne pourrait pas faire le rallye des princesses. Nous sommes toutes des princesses. On ne veut pas d'hommes, mis à part le staff ici. Mais bien sûrement que pas. Mais non. C'est une histoire de femme, le rallye des princesses. Le rallye des princesses, c'est réservé qu'aux princesses. Un homme ne pourra jamais faire de rallye des princesses parce qu'il aura mal partout, parce qu'il aura chaud, parce qu'il aura abîmé ses ongles, alors que nous, c'est pas notre cas. Dangerous. C'est une autre histoire. C'est pas pour eux. C'est pas pour eux. Non, c'est tout. Vraiment pas. Super édition, le soleil est là, on va aborder la plus grande des étapes, l'étape marathon, pour se rendre jusqu'à Saint-Tropez. Et on s'attend à une très belle fête ce soir à Saint-Tropez avec le concours de pétanque organisé à l'occasion de cette 20e édition. Oh mon Dieu, comme elle est bien Saint-Tropez, c'est sympathique. On peut marcher pieds nus à Saint-Tropez. Pas besoin de costume à Saint-Tropez. Un vieux blue jean suffit pour s'habiller. C'est la tenue rêvée à Saint-Tropez. Do you Saint-Tropez. Do you Saint-Tropez. Do you Saint-Tropez. Do you Saint-Tropez. Et quand... Oui, quelle semaine. Jusqu'à la dernière minute, on savait pas qui allait gagner. Ça s'est joué vraiment à pas grand chose. Un beau suspense. 98 voitures, c'est juste incroyable. Et puis, non, c'était vraiment super. Donc, c'est une belle victoire. C'est vrai que c'était le scénario idéal, non, pour la 20e. Ça s'est joué à quelques points jusqu'à la dernière zone de régularité. Donc, vraiment, on ne peut être que ravis. 20 ans de rallye, 20 ans de dur labeur, de stress, mais 20 ans de super bonheur. Vraiment, je suis ravie. Et le 20e ici, je suis vraiment enchantée. Je ne peux pas être plus contente.